Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play. J'espère que vous allez bien, moi ça va super super bien de retour de vacances. Je vois que beaucoup d'entre vous étaient impatients que je revienne. Et bien c'est le cas, je suis revenu pour toujours plus de vidéos de l'amour. Oh yeah, en tout cas j'espère que cette petite intro préparée par mes soins et quelques amis à moi vous a plu. On a eu un petit trip comme ça sur le Disney. Normalement je ferai un petit montage puisque je l'ai pas encore fait. Là je dis ça, mais en fait j'en sais rien du tout, je vais faire ça au montage. Mais je vais faire une espèce de petite bande audio assez drôle avec des enregistrements que j'ai fait pendant mes vacances avec des potes. Mais bref, c'était des gros délires, hein, ne vous posez pas de questions. Y a rien à se poser, on était juste un petit peu con. C'est pas grave, je déconne. Mais c'était drôle, quand même, hein. Je vous dis, y a quand même des phrases insoupçonnées dans les Disney que personne ne soupçonnerait. Oui, c'est super intelligent ce que je viens de dire, c'est pas grave. Bon, on va enfin pouvoir continuer l'aventure sur L.A. Noir. Oh yeah. Alors je vous rappelle que nous étions arrêtés devant cette belle maison aux fenêtres rouges, pardon. C'est pas la même chose. Alors l'histoire aussi, je me fais un petit mémo, surtout pour moi-même. En fait, alors, nous sommes à la recherche du Dahlia Noir, donc une jeune fille a été assassinée lâchement à coups de burin ou de marteau, bref, une arme pas très catholique. À peine sortie d'une voiture, elle a été tabassée à mort, on a retrouvé son corps et on était venu sonner chez elle. Alors, on avait fouillé, si je me rappelle bien, on avait fouillé toute la maison. Tout sauf quelques indices que là je viens de refaire, puisque bon, évidemment la sauvegarde a repris juste avant cette petite phase. Du coup j'avais zappé ça sur le frigo, paf, un petit mot charmant: si tu te dessoules tu peux venir me retrouver à l'appartement 2, signé Jacob. Du coup mon collègue Galloway a gentiment appelé le central pour demander l'adresse ou je sais plus quoi, bref quelque chose d'utile en tout cas pour faire avancer l'enquête. Et aussi, autre petite preuve sympa. Ah bah tiens, je suis pas allé voir le piano. Ah bah tiens, je suis pas allé voir dans cette pièce. Ça va être l'occasion. Non. Ah. Hé hé. Les lunettes de pilote. Oh. Bah vole-les au moins, je sais pas. Enfin, fais quelque chose. Des photos de chiens. C'est fort perturbant. Voilà, alors j'avais oublié ce journal. Si je dis pas de bêtises. Prends-le. Voilà. Family burned to death. Cops say house fire days are suspicious. Voilà. Donc la police n'écarte pas la thèse criminelle. Et on va pouvoir découvrir ce gros titre. Peut-être avec encore le médecin complètement flippant. Voyons voir ça. Alors. You said I had to go back, doctor. Ah si, je le savais. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary arrangements. You said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate. But you have dealt with death before. I want you to come. Oh mon dieu. You said the house would be empty. How can I find peace? Oh le pauvre. Ça se trouve c'est sa famille dans la baraque. En fait c'est un gros criminel le mec. Je le savais. Oh mais c'est horrible, il y a une famille qui a été cramée. Oh c'est moche ça. Journaux trouvés. Ah 5 sur 13. D'accord, en fait c'est mon but de retrouver les... toutes les pièces de ce type, enfin, c'est-à-dire les journaux, quoi, les documents papier, évidemment. Eh bien, écoute, Galloway, au lieu de fumer ta clope, monte dans la magnifique voiture de l'amour. Et en voiture, ma poulette. Oups, non, je me suis trompé. Appartement de Jacob Henry. Choisir comme destination. Et c'est parti pour le blabla. Hop. Même pas ? Évidemment, évidemment. Alors ils ont pas envie de discuter aujourd'hui, apparemment. Bon bah ça tombe bien, je vais enfin pouvoir caser quelques mots. Ça me gratouille derrière l'oreille. Ouh. Donc plein de nouvelles choses depuis que je suis revenu. Enfin, bon, pas plein de nouvelles choses, mais quelques trucs. Déjà j'ai du nouveau matos au niveau
au niveau du son, je me suis payé des enceintes et je peux vous dire que pour le jeu, c'est une tuerie. Franchement, si vous devez vous acheter du matériel comme ça pour le son, pour votre ordi, n'achetez pas des enceintes banales, achetez des moniteurs. Enfin, si vous avez les moyens, bien sûr, parce que c'est quand même un peu plus cher. Même carrément plus cher. Mais vous avez de qualité absolument de fou furieux. Alors, bien sûr, je parle pour les jeux, mais évidemment pour la musique aussi. C'est principalement pour ça. À la base, c'est des enceintes faites pour les studios, enfin, des enceintes de monitoring. Des moniteurs de monitoring. Ouais, bref, vous m'avez compris. Enfin, pour ceux qui connaissent. Et enfin, c'est juste, vous redécouvrez la musique. Même pour les films, même pour tout. C'est juste magique. Oh, j'avais même pas vu. Pourquoi j'ai attendu pour le feu vert? Moi, je suis con. Wow, t'as régné ma bagnole. Je te conchis jusqu'à la moelle. Oh, et puis, ouais, je vois pas pourquoi on va se priver. Hop. T'as failli régner ma bagnole. Rayer ma bagnole. Putain, ouh, j'ai des problèmes. Hop, voilà, je vois pas pourquoi on pourrait pas se permettre de couper par la pelouse. Moi, je suis comme ça. YOLO, je suis un flic. Et on va se garer là. Décidément, putain, c'est moche. Ah, on emploie la manière forte. J'aime bien mon arme. Vas-y, baisse ton froc là. Allez, 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 Galloway, fais pas l'enfant. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics. Oh my God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. We're gonna have a look around, then we'll talk. Oh, va parler. I'm sorry. Ah. Bon, c'est parti pour la fouille de l'amour. La fouille de l'amour dans la maison. Ah bah tiens, un téléphone, ça tombe bien. Bon, dans la cuisine, toujours des trucs insignifiants. Peut-être dans la poubelle, des preuves... Non. Aha. Ouh, la valise. Des chaussures. Ah, taille 11. Size 11. Pointure 45. Ah, c'est pas les mêmes pointures. 11, ouais, ça doit être une autre mesure. Alors, je sais plus. Ouais, on avait retrouvé des traces de pas sur les lieux du crime. Je me rappelle absolument pas de la pointure. Ça ne serait pas étonnant que ce soit à 45, on ne sait pas. Ah! Ouh, une batte de baseball. Ça, je suis sûr qu'il va dire qu'on n'a rien à foutre. Voilà. Attends, c'est une batte de baseball, quoi! Attends, s'il te plaît. On utilise ce genre d'instrument pour commettre des crimes, normalement, dans les séries américaines. Oh là, ils sont pas drôles. Ah. Oh. Ah, pour noircir la zone. Oh, super! C'est gay et bien! Oh! Oh, c'est génial! Oh, le message caché, quoi! Ah, sérieux, ça, c'est la bonne vieille méthode, comme dans Tintin. Carabou de champ! Oui, le carabou de champ, c'est le nom d'un navire! Ça me rappelle ça. Oui, désolé, j'ai plein de références, hein, comme vous avez pu le constater au niveau des Disney, des Tintins et tout le bordel. C'est toute ma vie! Attends, je vois pas le premier mot. I need you. Voilà. Thanks for the offer. I need you to something. To some. To some. Merci de votre offre. Je voudrais que vous vous occupiez de ma femme. The oldest problem. Ah, d'accord. What to do about the old lady? Faire sa bourgeoise. Oh, j'aime bien comment t'as dit ça. Bon, place à l'interrogatoire, Trachard. Restez détendu, tout se passera bien. Ça risque de piquer un petit peu. Je m'assois sur la chaise du patron. Alors, déplacement de la victime. Jacob Henry, marron brun, âge 45 ans, mari de la victime assassinée, Celine Henry. Déplacement. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Vu comment tu me regardes, ça pue la merde. Empreinte de chaussures, rouge à lèvres, briquet du Bamba Club, message écrit sur le dos, va te faire foutre BD. Et texte, traumatisme consécutif à un coup violent.
Bijoux manquants, plaque d'immatriculation, chaussures de femme et fractions, chaussures menace de mort. On va mettre doute. C'était fou! How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. Putain, c'était faux, je suis deg. Hung out with movie stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. Putain, c'était pas ça. Bon, bah, ça commence par un grand échec. Bah, pourtant, ça sentait le doute, là. Avec quoi j'aurais pu contrer? Je vois pas. Bon, allez, hop, ça fait un. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Alors, voyons voir ta tête. J'aime pas comment tu me regardes. Tu ouvres la bouche. Oh, t'as l'air tout triste avec tes petits yeux. Tu bouges un peu la tête. Mais avec quoi je pourrais... Ah, effraction. Des traces sur la fenêtre latérale de la maison dit qu'elle a été forcée. Message. Traumatisme consécutif. Bijoux manquant. De mort, des calques du message écrit par Jacob à propos de sa femme Céline. J'irais plutôt effraction. Allez, on tente le mensonge, les gars. On est des fous. Il fait des trucs bizarres avec sa bouche. Ouais, bon. Il a pas l'air rassuré, le monsieur là. Hein. Regarde. Sauf que je parie que je vais encore me faire avoir et que ça va être le doute. Je le sens gros comme une maison que ça va être le doute. Mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même le pressentiment que c'est mensonge. Il est parti, mais j'ai un doute quand même. Là, franchement... Ah, je sais. That's a line, you know it. Oops, he tailed her, c'est watched her come out of a bar and then beat her to death. Non, admit it, Henry. Why would I do that, detective? Ah, en pointe de chaussure, taille 41, non, c'est pas ça. Non, je vais mettre B. Looks like I was mistaken. Attendez, est-ce que je mets doute? Je vais encore me faire avoir, je le sens gros comme une maison. Il bouge pas trop la tête là, il bouge juste Allez, doute. And how are we meant to believe that, Jake? Putain, c'était pas ça. Je le savais. Je suis mauvais. That nosy bitch from next door, Jenny Horgan. She'll tell you I left. And what time? Bon, je suis affreusement confus, je suis une grosse merde là. Je m'en excuse, ça fait déjà bah ça va faire du 2 même pas, ça se trouve moins. Mais déjà 2 erreurs sur 4, putain, ça fait 2 fois que je me trompe. Putain, je suis vraiment une grosse couille, moi. Motif du meurtre. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Bon, écoutez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera tout au feeling. Du coup, j'ai absolument pas écouté ce que t'as dit. Ah, et là, on va pouvoir lui mettre menace de mort. Allez, hop. Je sais que tu mens, vieille enflure. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, big mouth? Hein? Eh ouais, j'en ai une, mon cochon. Regarde, elle est tout droit sortie de mon slip, voilà. Ah, j'avais raison. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was... trying to have her committed. Mais c'est horrible. T'es méchant, t'es trop méchant. Bon, ça fait au moins juste. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here, I was here all night. Start work at 6:30. I'm not the going out type. Quoi? Je vois pas le rapport en fait. Bon.
Là, par contre, ce serait pas... Ouais, ce serait peut-être le doute, là. Ou le mensonge. On va voir les preuves, mais putain... Oh là là, j'aurais chié cet interrogatoire. Hein. Mais au bref, on s'en fout, c'est le jeu. Message écrit, traumatisme, bichou manquant, plaque d'immatriculation... Chaussures de femme, effraction, des traces sur les fenêtres latérales de la maison indiquent qu'elle a été forcée. Bah là, du coup, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression que... est-ce que là, ça irait... ouais, non, je sors beaucoup. Des traces sur la fenêtre latérale indiquent qu'elle a été forcée. Il bouge pas la tête, il regarde ailleurs. Ouais, il fait des mouvements avec sa bouche. Cet homme me paraît louche. Allez, bah tant qu'à être dans la merde. You called the bar to give yourself an alibi. Then you went after her, beat her, and dumped her in a park. I think you are a sack of shit, Jacob. You're not gonna pin Celine's death on me. I'll take a lie detector test to prove it. Ah ouais, non, du coup, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça, du coup. Eh. Non, je mettrai doute. Non, parce que oui, vu ce qu'il a dit, non, je mettrai doute. If you don't ask, you never find out. Pourquoi il bouge plus? Mais pourquoi il bouge plus? Qu'est-ce que je mets? Vérité? Mensonge? Je sais pas. Pourquoi il bouge plus la tête là? Je sens que je vais me chier. Allez, vu qu'on est dans la merde. So you were here, voilà, c'est bon. Up in bed while someone was out there beating your wife's brains out. That's all you've got. Talk. To the bartender at the Bomba Bon, Club. Alors là, c'était vraiment He'll la merde. Tell you, he called here last night, and I answered the phone. Bon, we're still gonna need you to come downtown. Complètement chier, je m'en excuse. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife, and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth! So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Oh! Oh oui, j'ai bien aimé. Oh oui, de la baston. Oh, oh, oh putain. Il m'a mis trois baffes. Mais hé, hey, c'est quoi pour ta... Putain, mais hé, hey, mais calme-toi. Oh. Mais frappe. Mais te laisse pas faire. Mais... Putain, mais frappe. Mais frappe. You're off. Mais... Mais Phelps, mais putain, mais tape! Mais je... Mais cours! Mais... Oh là 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 là... Oh putain, alors là, je suis affreusement confus. Comment je me suis pris des gros coups de tatane. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down. Comment... Mais frappe! Allez, vas-y. Okay. C'est quoi pour frapper? You're off. Let's just leave it at that. What's this mais pourquoi il ne frappe pas? Oh, oh putain. Oh, oh le grand écart. It doesn't look good. Non, attendez, il y a un problème là, je peux pas frapper. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas le frapper? Et pourquoi je peux pas le frapper? Oh mais arrête de me faire perdre mon chapeau. Mais frappe! Mais non d'une pipe, mais tu vas frapper? Oh là 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 là. Vas-y, vas-y, cours. Allez, vas-y. What's this bunker? Mais frappe, not non du tout. Being rational. Mais frappe. Bon, c'est... Je peux pas prendre la batte. Mais fais quelque chose. Mais il y a un problème là, les amis. Je ne peux pas frapper. Regardez ça. You're awful hot under the collar, friend. Il est bloqué. Man, Mr. Henry. Attendez, à moi. Ah non, c'était ça. D'accord, c'est parce qu'il fallait que j'ai.
not being rational. D'accord, en fait, fallait appuyer sur LT et après A. Allez, viens là, mon gros. Je sais que t'aimes ça. Oh. Ouh. Ah, la faute. Oh. Oh, oh. Ouh. Et l'autre, il est par terre, il dort, quoi. Bon, je suis désolé pour cette séquence un peu moisie. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Mon amateur de boxe. Il s'est fait démonter, le collègue. Oh. Il est où le téléphone? Où se trouve le téléphone? Ici. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, detective. Non, franchement, je suis dégoûté pour l'interrogatoire. C'était vraiment pas. Attends, je sais jamais. Yes, ma'am. Les preuves, des fois, c'est pas con. Et c'est ça qui fait le jeu. C'est intéressant. Mais va falloir vraiment que je m'améliore. Plusieurs blessures à la tête causées par objet métallique contondant. Tout à fait. La manche. Le manche, pardon, j'ai pas vu. Elle est morte suite à l'hémorragie et au choc causé par les côtes cassées et les multiples blessures. Ah merde. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. D'accord. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2Boy8899. Ça c'est sale par contre. Interdit au moins de 18 ans, les mecs. Hein. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Allez! Monte dans cette carriole. Une fois. Rentre à Central. C'est ça. Bon, on a un nouvel endroit où aller. Oh putain, mais c'est... Oh là là, j'ai trouvé qu'une bonne réponse et trois mauvaises. J'étais nul à chier sur cet interrogatoire, je vous l'accorde. Attendez, on va aller à... J'ai envie d'aller à... D'abord au commissariat. Non, quoique je sais pas. Non. Non, quel est le plus... Celui-là est placé avant... Écoutez, on va aller à Central. On va aller à Central parce que peut-être qu'ils nous donneront une renseignements précieux. Mais oh là 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 là, mais ces gens à Los Angeles, putain, mais alors. Sérieux, mais ouvrez les yeux, nom d'une pipe. Résultat, je vais avoir un rapport tout pourri juste parce que ces messieurs et ces madames ne regardent pas pour traverser. C'est vrai que je fonce, hein. Et non, je ne ferai pas de ce genre d'affaires pour l'instant. Mais décidément, à chaque épisode, je vais me lamenter à chaque fois que je vais rater les interviews. C'est pas grave. De toute façon, c'est ça qui fait le jeu, hein. Ouh, le dérapage de l'amour. Et on fonce. Avec la petite sirène là. LOL. Oh, je suis fier de mon jeu de mots là. Allez hop. Allez hop, on se gare comme un pied parce que nous on est des flics. YOLO. Oh bonjour monsieur. On va aller interroger ces messieurs. Espérons que j'ai un peu de chance. Mais quand même, je suis une belle grosse pipe. Hein. Mon Dieu. We have a firm lead, Captain. Are you questioning my judgment, Cole Phelps? No, sir. Good. I thought not.
Jacob Henry is a subsister pushed around by his wife. I think with the right kind of persuasion, he might be prepared to seek. Ouais, j'ai envie de me le refaire celui-là parce que hein. Are you prepared to show him? Je sens pas lui. I don't think he's our man. Galloway agrees with me. Don't drag me into this. Rusty is a practical policeman. A bird in hand is always worth two in the bush. Let's liberate a confession from poor Jacob, and the public will sleep easier tonight. Oh là là, mais ils sont tous teubés dans ce poste de police ou quoi, sérieusement? Ouais, les mecs, ils ont, ils sont vraiment cons, hein, c'est pas possible. Salut, collègue. Bon, on va se quitter là-dessus, on va faire cet interrogatoire-là. Ça ne semble pas bien, Jacob. Tu es dans une grande jam ici. Tu m'as menti et je ne peux pas t'aider. Tu comprends? Oui. 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 Ok, on va refaire ça gentiment. Mari de la victime assassinée, voilà. Donc accès. Bref, accès à l'arme du crime. What do you do for work, Jacob? I'm a mechanic. Engines, differentials, transmissions, that kind of stuff. So you have access to tools? Yes, I do. Your wife was brutally beaten with a socket wrench handle, then stomped to death. How do you think that looks, Jacob? I was home in bed. T'étais chez toi dans ton lit, t'es sûr? Putain, il me fait douter, il me fait douter, il me fait douter. Qu'est-ce que je mets? Je mets doute ou mensonge ou utiliser l'intuition. J'étais chez moi, je dormais. Allez, on va assurer le coup. On va utiliser point d'intuition parce que je suis un gros couard. Retirer un choix. Une utilisation judicieuse de l'intuition lors d'un entretien. 42,7% des joueurs ont choisi la bonne réponse après avoir utilisé un point d'intuition. Ah merde. C'est pas très concluant. Oh, les putains de salauds. You were at home. Oh là 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 là. Oh, le full fail. What kind of man are you, Jacob, that you allow that? You son of a bitch. You got no right talking about my wife. Oh là 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 là, j'ai utilisé le seul point d'intuition que j'avais et en plus je me suis chié. Allez, c'est parti. 4 mauvaises réponses. Je suis vraiment une grosse pipe, hein. Trace de rouge à lèvres. Sérieux, je... What does text mean, Jacob? I don't know what you're talking about. Ah, et mensonge. You used your wife's lipstick to leave us a message. Was it a cry for help, Jacob? Well, the last time I didn't kill my wife. Mais là, c'est vraiment trop compliqué. Je sais pas s'il faut mettre doute, le rouge à lèvres, le message. D'ailleurs, il est où le message? Non. Du coup, je sais pas. Est-ce que... foutre... va te faire foutre BD et Tex. Sorry. My mistake. My mistake. If you didn't kill her, then who did, Jacob? I don't know. Je suis vraiment une grosse merde. Think about it. I know she met... other men, I know it. Maybe it was one of them. C'est lamentable, je fais n'importe quoi. C'est juste une catastrophe. Je m'en excuse, ça va faire 5 mauvaises réponses. Là, je chie tout. Non, mais c'est bon, j'ai compris, c'est que des mensonges. Ouais, you didn't go over there to hurt her. It just got out of hand. It's not how it was. Allez. Lying, Jacob. It was falling apart and things got violent. I'm not lying. I'm telling you how it was. Mais ouais, mais rentrez pas. Allez, hop.
Bon, c'est n'importe quoi. Cold, sick. J'arrive pas. Franchement, j'arrive pas. Je comprends pas. Maybe, c'est hyper dur, hein. Not violent. Et encore faux. Ça fait trois mauvaises. Mais je, ce mec, je non, je sais pas. Il y a un truc qui passe pas avec ce mec. Mais. Why did you break into your wife's house, Jacob? Why steal the ring? What? What are you talking about? I've got a key. Why would I need to break in? Where did you hawk the jewelry, Jacob? You know how cheap you're going to look to the grand jury? Husband murders wife and sells her jewels. I didn't break in. How many different ways do you want me to say it? Allez, parce que j'ai envie de faire encore plus dans la merde, je réutilise la même preuve. Voilà! 4 erreurs! Oh yeah, je suis une grosse merde. Oh mon dieu, c'est une catastrophe. 0 sur 4. Oh, c'est une catastrophe. Phelps, you failed me, son. We have another lead, Captain. This guy Mendez could be our man. I hope so, Phelps. I really hope so. I'm deeply disturbed by bon, bah c'est une pure catastrophe, les amis. C'est une catastrophe. C'est la catastrophe de l'amour. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la catastrophe. La catastrophe. Je n'ai même pas réussi. Attends, c'est quand même... Ce mec, je n'ai réussi qu'à faire une seule bonne réponse. C'est quand même incroyable. Attends, le type, j'ai fait 0 bonne réponse. C'est quand même fou. C'est fou quand même, c'est fou. Ça devient vraiment trop compliqué. Non, là, j'ai complètement chié l'enquête, j'espère que... Bon, bref, c'est pas grave. Je vais arrêter ma lamentation. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous et portez-vous bien.